épuisé. T'es épuisé et à vous, t'as envie de pleurer. Je reste toujours, j'ai les nerfs qui vont me craquer parce que. T'es humain, Jules, tu peux trop lâcher. Yo l'ami, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à forme. On se retrouve aujourd'hui. Ta gueule, putain. Ah bon, c'est ça. C'est bon. Nous sommes actuellement en Allemagne. Yes. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller training. Ok. Au golf team. Où? Au golf team de Munich. Et qu'est-ce qu'on fait en Allemagne? C'est secret apparemment. C'est... Non, c'est pas secret dans la vidéo là. Tu peux pas, c'est secret, non, en fait il y a. Ah ouais, vous y aura un peu plus tard. Ok, c'est comme ça. Non, c'est bien laisser un peu de. Julien, alias Miline Costaud qui monte sur scène demain. Voilà. Exactement. Elle est en train de dormir et nous on va aller s'entraîner. Exactement. Donc on a pris le pré-workout il y a à peu près 45 minutes, donc ça me pique la gueule. Et on va sortir. Je pense que c'est dehors la salle là-bas. Dehors. Donc exactement, donc comme moi en France il y a quelques semaines. Julien tente la même aventure, c'est-à-dire obtenir la carte pro. Vous l'avez vu, il a participé à WNBF. Il n'arrive plus à parler. Exact. Non, mais là, on est rincé. Ça fait une heure qu'on cherche une place. On est allé lui chercher des donuts pour après la compétition. Pour la recharge de Julien. Voilà. Et nous, on a mangé Walou. On n'a pas mangé. Aucun donut et aucune calorie n'a été absorbée. Donc, on a juste regardé. Voilà. En plus, moi, je suis en prépa, donc en soi. Voilà. Monsieur le fromager aurait pu en manger un ou deux, sauf que il les a juste regardé. Votre ami fromager a pris 10 kilos depuis la compète. Donc ni moi ni Yo ne touchera un donut ce soir. Et par contre ce qu'on va toucher c'est une belle perle d'haltères parce qu'il y a la notorieuse et fameuse salle Gold Gym juste là. Regardez à l'étage. Qui est installée ici à Munich. Donc ça s'attend à être une vidéo absolument exceptionnelle. Installez-vous confortablement avec un petit casse-dalle. Prenez place et on est parti pour la compétition de Julian, mais d'abord. Oui. Floor seats for the next couple models blowing hits. They don't even want to pick. Now I am become death, the destroyer of worlds. J'ai clairement l'impression d'être un parc d'attractions. C'est incroyable. Regardez les machines pour les épaules. Donc je vous avais dit que j'avais rencontré le géant de gym de Gold Gym France. Peut-être que ça va être pareil. J'ai hâte de vous faire cette vidéo là aussi. Parce que là on se régale. On a fait plaisir. Une grosse séance là vraiment. Allez gros. Séance d'anthologie, je pense que vous avez sorti les chips, les popcorns et que vous avez fissuré devant les images. J'ai pas encore, C'était pas une séance intelligente en vrai. C'était pas une séance. Et pour deux entrepreneurs, voilà. Ça fait du bien de décompresser un petit peu. C'était pas une séance très intellectuelle. Juste le temps d'une séance. Exactement. Il y a rien de traqué, il y a rien de réfléchi, il y a rien de. Dites-vous. Ça fait du bien en vrai. En vrai, ça fait du bien. Entreprendre tous les jours à courir partout et jamais s'arrêter, juste de prendre le temps de. Voilà, juste une heure et demie là où on s'est fait plaisir, on a kiffé. Hein. On a bien kiffé. Ouais. Là on va. Je sais plus où on est garé gros. Ah là-bas. Je pense que le parking il est là-bas, on s'est perdu. Je pense qu'on va. Bon, c'est les galères. Galère rien, là. Vous connaissez la chaîne, c'est les galères habituelles. Là on va. On va au parking. On va au parking, gentiment rentrer, manger. Parkhaus. Ça a l'air. Ça a l'air fermé. Ça a l'air. Non, arrête. Attends. Je demandais si je vais faire fermer le parking, il ne fait pas 20h en fait. C'est pour ça que la barrière était ouverte. Ouais, mais elle m'a dit non, la meuf. Todo bene. Voilà, elle est dans la voiture. Et voilà. Ah bah, c'est la dernière voiture. Et avec une. C'est la dernière voiture du parking. Il n'y a que les deux gros débiles. Voilà. Voilà. Deux autistes congestionnés dans le parking. Voilà. Bon, tout ça. Des mecs musclés. Tout ça. Enfin, un mec musclé et un fromager musclé. Tout ça pour vous dire que. Deux gros autistes et on va les manger. Que le training est fait.
Jusqu'à 15h, tu... on fera un check-up avant de manger, après le TAN là. Là c'est manger, repos, tu peux boire un peu, on est bien. Comment faire dans ton sac? Des potes, tu peux te servir, des paquets de chips. Ok, donc bon, là je viens de déposer Julien et Yo à la compétition. Julien il va s'installer, il va se reposer. C'est une grosse compétition en WNBF, c'est les championnats européens, donc il a besoin de toute la concentration du monde. Moi en attendant, je vais m'occuper d'aller lui chercher et lui préparer de quoi se régaler ce soir. Je vais lui faire le repas de sa vie, clairement. Faut savoir que quand on fait une compétition, c'est très particulier. Pendant des mois et des mois, on donne tout, que ce soit à la nutrition, à l'entraînement, l'écartement de la vie sociale. Je vais pas dire qu'on arrête de vivre, en quelque sorte, mais on va faire énormément de sacrifices. Et pour le bodybuilding en général, et surtout pour une compétition. Juste le fait de sortir de scène et avoir un gros repas, de tout ce qu'on n'a pas pu manger, de se faire plaisir et de couper et de profiter, ça va être incroyable. Donc, je vais lui concocter, puisqu'il ne veut pas faire un truc au restaurant, il veut faire un truc plutôt à la maison, je vais lui faire le meilleur repas qu'il a jamais mangé de toute sa vie. Je vais vous filmer tout ça. Et j'ai 2h30 parce qu'il passe dans 2h30, donc il faut que je revienne. On va lui faire les courses. J'ai trop hâte. Ok, j'espère que vous êtes prêts à me voir parler allemand. Alors, faut savoir que mon niveau d'allemand est pas si mauvais. J'ai fait 8 ans d'allemand. Entschuldigung, mein Deutsch ist sehr schlecht, ich komme aus Frankreich. Donc, je pense qu'on va partir sur des burgers maison, avec du fromage, des pâtes carbo aussi, je pense. Au final, ça s'est corsé, tous les magasins étaient fermés, et vraiment, le seul magasin avec des aliments à la fois gras et un petit peu healthy pour bien se faire tout ce qu'il fallait ce soir. C'était super loin. On est à même pas une heure du passage sur scène de Julien. Donc je me dépêche d'aller à la compète. Je viens de déposer les courses. Je vais même pas avoir le temps de les cuisiner. Je cuisinerai ce soir. Et du coup là je me dépêche de me diriger vers la WNBF. Donc pour aller voir Julien. Et Julien, mais il y a aussi d'autres Français, Samuel Hartmann. Qui donne tout là sur cette dernière ligne droite de préparation, David Osto, Hotman. Donc ça fait plaisir de participer en tant que spectateur à une belle compétition comme ça. Et bref, j'espère que les images qui vont suivre vont vous plaire. J'adore les petits week-ends comme ça, c'est vraiment ce qui me passionne de faire sur les réseaux, de juste des petits moments de partage, de passion. Et voilà, juste vous montrer les trainings que je me donne à fond, rencontrer du monde qui se donne aussi à fond. Pense sur mon entreprise de fromage protéiné sans gras qui où il va falloir y aller à fond. Et bref, j'espère vous motiver, vous inspirer, et en tout cas vous partager humblement la passion que j'ai pour le body qui est absolument zinzin et que j'adore, voilà, et qui est mal compris en France, mais j'espère qu'un jour ça sera pas le cas. Je vais vous poser, on va se retrouver pour le reste de la compétition et les résultats, et on se retrouvera après pour débrief tout ça. À tout à l'heure.
On est à moitié à travers le chaud. Au niveau des zinzins, c'est affolant. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je sais même pas. Qu'est-ce que c'est? Moi, je commencerai par ça. Pas trop te tromper, a priori. Ouais, je le referme parce que l'odeur. C'est mieux que le poulet et riz ou pas? Ça vaut pas une bonne crème de riz. Franchement, ça fait du bien. Ça fait. Non, mais faut le dire, ça fait genre 6 mois que je suis. Si moi je suis en prépa, physiquement c'est dur, mentalement aussi. Et là, sortir de scène, en plus c'était une grosse scène, franchement elle a duré hyper longtemps. Je suis épuisé. Vraiment, ça, c'est t'es épuisé et à vous t'as envie de pleurer. Ouais, je te jure, j'ai une nerf qui m'a craqué parce que. T'es humain, Jules, tu peux trop lâcher. Bon, fin de la compétition pour Julien. Vous l'avez vu, le niveau était incroyable. C'est aussi un sport où malheureusement on peut donner beaucoup. Et pas avoir les résultats qu'on souhaite, mais il a tout donné. Je suis très fier de lui. C'est quelqu'un comme moi qui fait pas juste des compétitions, il a sa boîte à gérer, il travaille à 24 comme moi. Et c'est pour ça que je suis rapproché de lui, parce que c'est quelqu'un qui a décidé en plus de. Quelqu'un qui a décidé de se pousser et d'aller plus loin. Et pas seulement sur le professionnel, sur le personnel aussi. Et c'est très frustrant de ne pas le voir gagner parce que il l'a mérité. Et moi j'étais comme un fou quand il est sorti, je pensais qu'il allait gagner. Et des fois le travail n'est pas toujours récompensé, du moins pas tout de suite. Des fois il faut pousser encore un petit peu pour avoir les résultats qu'on souhaite. Et c'est pas injuste, c'est juste que. Voilà. Nous sommes rentrés enfin de la compétition. On vient de terminer un repas, ma foi. Pour le reste des dégâts. Bœuf pomme de terre pour moi. C'était bon. Franchement, riz poulet, impeccable. On reste dans la diète. Quoi qu'il arrive. Focus pour la saison prochaine. Parce que c'est pas. Voir le ventre. Vas-y, mets-toi sur les biens et pose en vrai. C'est drôle. Tu vois les. Tu vois les cuisses. Tu voulais voir la limite. Tu vois les cuisses. Tu voulais voir la limite. Il est en fait. Les bon, cuisses. Je m'appelle Julien cuisses, et je suis à ma deuxième assiette. Les cuisses, hein, pas le sgueil. Hein. Bah là, je vais manger, c'est pas du tout. Si, si. Ok, voilà. Et tu vois, peut-être on montrera demain matin, peut-être on aura la flemme, je sais pas. Bon, Julien, c'est quoi ton handicap, ton ressenti de la compétition? Voilà. C'est ça? Je me sens ballonné. Est-ce que t'es content quand même d'avoir fini? T'es allé où? Tu me passes la question maintenant comme question? Ouais, je te pose la question. C'est bon, hein. Tu crois vraiment que c'est bon de poser la question? Pose la réponse. Bah, ressenti, il y a du travail à faire, quoi. T'es content d'être avec moi? Non, satisfait de la fin de la condition finale. Mm-hmm. Après, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à performer dans ce milieu. Okay. C'est normal, ça va faire saison, faut être patient. Mm-hmm. On est arrivé au bout des choses, c'est important, c'est qu'on s'est donné un objectif. Et d'aller au bout de cet objectif, c'est-à-dire tirer la condition au maximum qu'on pouvait, au moins pour cette première année. Aller au bout de l'objectif, en vrai, c'est une réussite. Et ouais, arriver à monter sur scène, sur une scène européenne en première saison, c'est pas. Comment gérer une entreprise okay. Mmh. Ouais. Les galères et tout. Pas mal de galères après, ouais. Voilà. Pas mal de pression aussi personnelle, parce que c'est des objectifs qui tiennent à cœur. Donc forcément,
pression supplémentaire et finalement pas de regret, satisfait finalement. Il y avait du gros niveau donc en fait c'est même pas pas trop de remords finalement. Mmh. Je me dis j'aurais pu oui j'aurais pu faire mieux mais ça aurait pu être pire et j'étais content d'être allé au bout. Ce qui aurait pu être mieux cette année en fait ben, je ferais davantage mieux. Peut-être pas l'année prochaine mais dans d'ici deux ans une fois que je serai prêt et que j'aurai corrigé mes points faibles ou amélioré mes points faibles en tout cas et puis voilà. Après à voir est-ce que je reste nati ou pas. Non, je... Moi je pense que pour la science faudrait essayer. Mais bon merci d'avoir regardé ça. Là-dessus. C'était une grosse vidéo. J'espère que vous avez kiffé le training, j'espère que vous avez kiffé la compétition. C'était très cool de se replonger dedans. Trois fois par jour dans le cul. J'espère que si ça. Si une, il n'arrivait plus à parler de fromager. Un training, si un training au Gold Gym et une compétition au niveau européen, ça vous a pas motivé à vous bouger le cul, à essayer de faire quelque chose. Enfin, un training. Et vous donner à fond et vous training, dépasser. Je sais pas ce qu'il fera. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et d'ici là, soyez forts, soyez fit. C'est fit. Ciao les gars. À la prochaine. À bientôt les gars. C'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin? À bientôt les mecs fit. Voilà. Bisous.